Bonsoir les amis. Alors ce soir j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et n'est pas souvent traité, je veux dire, en matière de spiritisme ou de communication aux esprits, du moins pas suffisamment. J'aimerais parler des esprits souffrants, donc je vais vous parler de nos séances d'aide aux esprits souffrants. C'est quelque chose d'important, il faut le comprendre. Tout simplement parce que ce sont des esprits, souvent des défunts, des esprits qui ont quitté notre monde de matière et qui ne sont pas forcément toujours conscients de leur état. Certains le sont, ils sont errants, mais leur état d'errance en fait des esprits souffrants puisqu'ils ne sont pas heureux, car majoritairement ils ne sont pas passés dans leur au-delà et ils ne connaissent pas, ils n'ont pas retrouvé, on va dire, leur famille spirituelle ou du moins des esprits avec qui ils ont vécu dans d'autres vies antérieures qui peuvent être des amis, d'anciens parents, d'anciens frères et sœurs, d'anciens maris, d'anciennes femmes. Et ils ne retrouvent pas leur guide également, ils ne retrouvent pas d'autres mondes éventuellement qu'ils auraient pu connaître, d'autres sphères spirituelles également. Et leur condition est donc encore entachée et attachée à notre matière, à notre monde, proche de nos vibrations matérielles, et leur état n'est donc pas favorable. Il est donc logique de parler d'eux en tant qu'esprit souffrant. Alors comme je dis, ils peuvent être conscients ou inconscients. On va commencer par ces esprits qui ne sont pas conscients de leur état, qui sont souvent dans un état de trouble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts, tout simplement. Nous commençons toujours nos séances d'aide aux esprits souffrants, donc sur ce support. C'est une planche Ouija que tout le monde connaît. Donc on va tout de suite un petit peu dédramatiser ce support, puisqu'il a été souvent, comme je dis, diabolisé. Diabolisé par erreur et surtout par ignorance, par un grand nombre de personnes qui se sont plu à diffuser ou à partager des vidéos qui mettaient, on va dire, en discrédit cette planche et qui lui portait plus préjudice dans sa réputation que favorablement. Tout simplement, cette planche, c'est juste un morceau de bois. Il faut bien comprendre, ce n'est que du bois. Ceci est une goutte, mais il y a d'autres styles de planches et de gouttes. C'est du bois. Il n'y a rien d'autre. C'est juste un support. Ce n'est pas cette planche qui attire un certain type d'esprit. Ce n'est pas cette planche qui attire un certain nombre d'entités. Les personnes qui le prétendent sont malheureusement, et je ne vais pas en faire des amis, mais ce n'est pas très grave, puisqu'il vaut mieux avoir connaissance du monde des esprits, du monde spirit et de ses interactions pour pouvoir en parler, plutôt que de diffuser, on va dire, des bêtises, des ignorances, des erreurs sur ce support. Donc ce support est juste une planche Ouija et malheureusement, comme on le sait souvent et comme je vous l'ai souvent dit, sur les vidéos YouTube par exemple, vous allez voir des adolescents qui utilisent ce support, à tort d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas ni la connaissance ni l'expérience nécessaire pour le faire. Ce support est proposé malheureusement comme un jeu pour certains. Ce n'est pas du tout un jeu, c'est un moyen de communication avec les esprits. Et cela engage une responsabilité et les conséquences à la suite d'une communication peuvent être tragiques, peuvent être déplorables et très dangereuses et peuvent même conduire soit à la folie effectivement, soit à la mort tout simplement lorsque l'on n'a pas ni les connaissances ni l'expérience nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Cette planche a donc été utilisée souvent par des adolescents. Et ces adolescents ont trouvé bon de mettre leur vidéo sur YouTube. On voit ce qu'il se passe et on connaît la suite. Alors, il y a aussi une autre catégorie d'individus qui sont les groupes d'adultes, des adultes, qui souvent en soirée ou en fin de soirée, lorsque l'ivresse gagne les esprits, trouvent judicieux d'utiliser ce support pour pouvoir communiquer, entre guillemets, avec des esprits. C'est pareil, on connaît la suite. En n'importe quelle médiumnité, il ne faut pas être alcoolisé, il ne faut pas être sous stupéfiants, sous drogue,
Il vaut mieux ne pas être fatigué, il vaut mieux ne pas être, je dirais, enceinte, c'est proscrit. Ne pas avoir de problème d'ordre, on va dire, psychologique ou psychiatrique, ce qui pourrait être préjudiciable pour une personne lors d'une séance en présence d'entité. On ne sait pas toujours, on n'a pas toujours non plus le monopole ni des esprits supérieurs, des êtres de lumière. Et il arrive certaines fois que nous puissions avoir des rencontres malencontreuses. Il serait alors dommageable que ces personnes que je viens de citer se trouvent face à des entités malveillantes et qu'ils subissent, à la suite de cette communication, une obsession ou même plus une sorte de fascination, voire de subjugation qui pourrait être vraiment préjudiciable. Il faut vraiment se prévenir et se prémunir de tout ça, pardon. Ce que je cite là, c'est valable pour toute médiumnité et pour toute communication médiumnique et surtout pour tous les supports utilisés en termes de communication aux esprits. Ce support n'est donc qu'un morceau de bois avec une goutte en bois. Ce qui attire les esprits en séance autour de nous, autour de vous, c'est l'affinité. L'affinité est un des facteurs qui va déterminer la présence des esprits autour de vous. Des personnes ayant un certain nombre de passions, un certain nombre de facultés, des désirs, des choses qui leur permettent, on va dire, de vivre quelque chose intensément, comme la lecture, comme la passion pour l'histoire, comme, admettons, on va dire, le dessin. On va dire la sculpture, la musique, la poésie, l'écriture, ou toutes sortes de choses, attirent inexorablement des esprits ayant des affinités de pensée et qui se feront souvent un plaisir de vouloir nous rejoindre pour pouvoir s'exprimer sur l'un de ces sujets. Mais bien évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les esprits sont autour de nous. Votre intention est déterminante. L'intention des participants est déterminante. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vos intentions sont louables? Est-ce que vous avez des intentions de communiquer de façon positive, de façon avec des objectifs bienveillants? Est-ce que vous avez prévu lors de votre séance de réaliser un travail en communication aux esprits établi au préalable de façon à enrichir les participants, ou du moins à partager un travail qui va les enrichir, recevoir des enseignements, faire des séances d'aide aux esprits souffrants sur lesquels on va revenir et qui sont très, très importantes ces séances. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer nos guides qui vont nous prodiguer des conseils, qui vont nous prodiguer des recommandations sur notre vie actuelle, sur les choses que l'on fait à bien ou que l'on fait mal. Ils vont essayer d'entretenir une discussion avec nous, de nous toucher et surtout de nous faire comprendre éventuellement nos erreurs ou nos bienfaits. Ils essayent de nous orienter, ils essayent de nous raisonner, de modifier notre conscience à bien, toujours en nous laissant, bien évidemment, notre libre arbitre, c'est-à-dire le choix de décider de oui ou de non, de ce que nous allons faire par la suite avec les recommandations qu'ils nous auront prodigué. C'est très important. Nous avons effectivement des séances, donc certaines fois, on dit avec des êtres de lumière qui ont quand même une évolution supérieure à la globalité de ce qu'on connaît sur Terre et qui, eux, vont nous apporter des enseignements d'ordre moral ou des enseignements sur des thèmes en particulier qui seront abordés et qui auront été établis avant la séance. Voilà, il y a quand même beaucoup à faire. Il y a d'autres choses. On peut faire également des séances de délivrance pour des esprits qui seraient plus endurcis, plus malveillants. Mais ces séances demandent effectivement un certain nombre de présences, demandent un certain nombre de spirites, donc de personnes ayant une connaissance de la philosophie spirite, du monde des esprits et des interactions entre les esprits et les incarnés, avec une bonne connaissance morale de notre monde, mais également une bonne connaissance morale de l'au-delà et
du monde dans lequel ils vivent. Il vaut mieux avoir des connaissances étendues sur tout le reste, la médiumnité, sur toutes les choses qui nous incombent lors de séances. Donc voilà, donc nous allons venir donc aux séances d'aide aux esprits souffrants. Lorsque nous établissons ce genre de séance, en ouverture de séance, comme souvent, nous appelons nos guides dans une forme de recueillement, nous les appelons, nous élevons nos pensées vers eux, nous les sollicitons, nous leur demandons la protection de façon à ce qu'ils puissent repousser les entités négatives, donc malveillantes, les entités moqueuses, les entités qui usurpent les identités, comme on dit. Enfin voilà, tous ces esprits qu'on peut dire, on va dire entre guillemets nauséabonds, puisque souvent lors de ces séances, lorsque l'on rencontre ce type d'entité, ça n'amène pas à grand chose, je vous le dis sincèrement. L'aboutissement est souvent le même, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas, on va dire, l'évolution nécessaire pour pouvoir entretenir une conversation intelligente et surtout qui puisse être bénéfique comme pour eux, comme pour nous. Donc voilà, nous demandons à nos guides et aux esprits, aux êtres de lumière, de bien vouloir nous protéger, bien vouloir nous entourer, et nous sollicitons bien évidemment celles et ceux que nous connaissons, puisque nous avons effectué un grand nombre de séances, aujourd'hui nous pouvons le dire, et nous avons pu rencontrer un certain nombre d'entités avec une belle évolution, qui nous sont proches, puisqu'ils reviennent souvent lors de nos communications, ce ne sont jamais les mêmes, ce qui est une bonne chose. Et nous ouvrons ensuite cette séance en demandant voilà, leur participation, leur collaboration, afin d'aider des esprits dans la souffrance, en errance. Bien souvent, c'est ma guide Rose qui est chargée, on va dire, de nous faire parvenir ces esprits, ces entités. Il arrive que ce soit des fois quelqu'un d'autre, mais bien souvent, elle se charge de cette mission, de ce rôle. Et alors, début de la séance, bien évidemment, la goutte est au centre, comme on dit, et nous attendons un petit peu, suivant l'entité, la façon qu'elle va vouloir se communiquer avec nous, si elle est, on va dire, prompte à le faire et à vouloir engager la conversation. C'est souvent, on va dire souvent, régulièrement, des esprits qui sont dans le trouble, donc qui sont inconscients de leur décès dans la matière. Il va donc nous falloir essayer de comprendre à qui nous avons affaire. Nous utilisons souvent donc des termes qui sont liés à notre matérialité, c'est-à-dire que nous parlons à une femme ou à un homme, ce qui pourrait paraître un petit peu bizarre puisque nous parlons d'esprit, mais ces esprits-là sont encore enclins, emprunts à la matière, et ils sont toujours dans leur esprit un homme ou une femme au sens propre. Donc il va falloir engager une conversation avec eux, sans brusquer bien évidemment leur conscience, sans arriver en leur disant « vous êtes mort, on ne peut pas faire ce genre de choses, imaginez-vous être de l'autre côté », c'est ce que j'explique souvent, vous mettez à la place de l'esprit et d'un seul coup on vous dit « vous êtes mort » alors que vous ne le savez pas. Le choc peut être important, psychologiquement ça peut être très dur à entendre et je le comprends parfaitement. Donc il va falloir user de psychologie, il va falloir utiliser les bons mots, essayer d'être subtil, essayer de faire passer, on va dire, des images en termes d'expression, de façon à ce que l'esprit, tout doucement, au travers de notre discussion, commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui. Le but étant de le faire réagir et tout doucement, subtilement, de lui faire comprendre qu'il y a peut-être des détails autour de lui qui font qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire, il va tout doucement comprendre qu'il y a un problème au-delà de ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va comprendre qu'il est mort. Alors bien souvent, quand je vois que l'esprit réagit à un certain nombre de questions ou d'interrogations, ou du moins d'images suggérées, je propose souvent à l'esprit de dire la chose que je dis, puisqu'il ne faut pas le dire encore au sens propre pour ne pas le perturber,
de dire la chose. Est-ce que tu veux le dire ou est-ce que tu veux que je le dise pour toi? En raison de ce qu'il fera ou qu'il prendra comme décision, soit il nous dit souvent « Écoutez » ou « Écoute, je crois bien que je suis mort » ou alors je lui explique gentiment, avec bienveillance, que tu es décédé. Tu es mort dans la matière, tu n'es plus un être humain au sens propre, mais tu es redevenu un esprit en dehors de la matière qui survit au-delà, on va dire, de la mort physique. Cet esprit, après avoir pris conscience de cet état de fait, va ensuite réaliser, on va dire, un certain nombre de choses, et la conscience va revenir tout doucement, de façon graduelle. Nous allons l'interpeller, nous allons le solliciter, lui solliciter sa conscience et surtout solliciter son souvenir, sa mémoire de ce qui l'a notamment conduit à cette fin de vie éventuellement dramatique dans la matière, de façon à ce qu'il comprenne lui pourquoi il est mort, comment il est mort et éventuellement pour quelle raison. Pourquoi je dis pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y arrive que souvent, ces fins de vie sur Terre, on connaît la Terre avec son évolution globale qui est quand même d'ordre inférieur, avec toutes les atrocités que nous pouvons voir, entendre, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la télévision, que ce soit la radio, voilà toutes ces choses qui viennent de l'être humain et qui sont souvent horribles, au-delà même de l'horrible. Nous avons toute l'atrocité, nous avons toute la peine, toute la tristesse, toute la misère du monde qui se regroupe lors de ces communications. Bien souvent, en séance, nous apprenons effectivement des choses qui dépassent certaines fois notre imagination sur la capacité de l'être humain à faire du mal, la capacité de l'être humain à torturer, à produire de la douleur et de la souffrance, on va dire, à ses congénères, et à le faire dans un état d'atrocité mentale, morale, qui est vraiment affligeante. L'être humain, ces êtres humains, ont une capacité importante d'imagination dans la façon de pouvoir faire du mal, de façon de faire souffrir les gens et de les conduire à leur mort. Nous avons constaté que ces esprits, lorsqu'ils prennent conscience de cet état de fait, ont un moment de prise de conscience où ils commencent à avoir des images qui leur reviennent et c'est souvent douloureux, c'est souvent avec de la tristesse, c'est souvent avec de l'interrogation, des questionnements. Ils ne comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. Alors bien évidemment, il va falloir, avec notre bienveillance, à moi et à ma chérie, puisque nous travaillons tous les deux, ma chérie étant clairaudiente, donc c'est une chose importante, puisqu'elle m'assiste dans les séances tout le temps, hein, quotidiennement je dirais, et qui est une médiumnité très importante et vraiment centrale de nos séances, en parallèle de ce support Ouija. Donc ces esprits, souvent, il va falloir leur offrir de la bienveillance, de la compassion, il va falloir leur offrir de l'amour, il va falloir leur offrir du cœur, il va falloir leur offrir des sentiments, des émotions, une conscience peut-être qu'ils n'ont pas dans l'instant, il va falloir leur apporter quelque chose pour les soutenir, pour pouvoir les aider, et pour pouvoir les aider à être mieux, et à réaliser l'importance de cette séance au bénéfice de leur conscience. Il va falloir élever, on va dire, leur esprit de façon à pouvoir ensuite nous permettre de les rapprocher d'une certaine manière du monde spirituel, de l'au-delà, des guides qui, dans l'instant, ne sont pas encore à même de pouvoir les alpaguer, on va dire, les approcher, les toucher, puisqu'ils sont, ces esprits souffrants sont beaucoup plus proches de nos vibrations matérielles et qu'il en revient au médium de pouvoir communiquer avec eux pour les aider ensuite à s'élever et à aller jusqu'à nos amis, jusqu'à nos guides ou jusqu'à des esprits de lumière qui vont ensuite
pouvoir les accueillir et les faire passer de l'autre côté. Alors, je reviens aussi sur un point important qu'il est crucial de parler. En séance, il nous arrive souvent que ces esprits souffrants, errants, qui sont dans leur trouble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Rapidement, le trouble, c'est l'instant où la personne vient à décéder, que son esprit est extrait du corps, que la personne est dite morte. Cet esprit, à partir de ce moment-là, ne va pas se reconnaître tout de suite. Cet esprit, à partir de ce moment-là, va être dans un schéma d'inconscience. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de son état d'esprit. Et il va se véhiculer et errer sans avoir ni quoi faire, un petit peu comme ferait un zonard, sans avoir la conscience de son âme. Et il va pouvoir, certaines fois, se retrouver dans le noir ou dans le froid. Alors, on parle effectivement à ce moment-là de sentiments, de phénomènes, de ressentis matériels, qui est le froid ou qui est la perte de la vue. Il faut bien comprendre que pour l'esprit qui vient de se désincarner et qui dans le trouble et dans l'errance et notamment dans la souffrance, que cet esprit, il va falloir qu'au travers de ses angoisses, ses anxiétés, ses douleurs, cette torpeur qui vient de le saisir, il va falloir que son esprit, à son propre insu, retranscrive ses angoisses, ses douleurs, ses anxiétés, toutes ces choses qui le mettent dans une condition défavorable de souffrance. L'inconscience se retrouve souvent dans le fait que l'esprit ne voit pas clair autour de lui, qu'il est dans le noir. Pourquoi es-tu dans le noir? Pourquoi ne vois-tu pas clair? Tu es un esprit. Tu n'as pas besoin de la vue pour voir. Et pourtant, le fait d'être dans son inconscience, le fait de se véhiculer autour de nous, proche de nos vibrations matérielles, le plonge dans un noir presque total. Il ne voit pas. Il ne voit pas car il n'est pas conscient de son état d'esprit libre en dehors de la matière. Et il y a souvent cette notion de froid. Pourquoi le froid? Le froid sur Terre, on va dire, c'est une chose qui n'est pas forcément agréable. C'est quelque chose qui peut même être piquante. Quelque chose qui peut être... oui, désagréable, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui... Ce n'est pas une sensation positive que le froid, que ce sentiment que l'on ressent dans la matière sur notre corps. Et le froid, de l'autre côté, est la sensation pour les esprits, bien souvent proches de nos vibrations matérielles, qui génère l'angoisse, le doute, l'anxiété, la peur. Et tous ces sentiments le plongent dans le froid et dans la perte de la vue, on va dire, dans le noir. Ce sont toutes des choses qui disparaissent le long de notre discussion, de notre séance avec l'esprit, au fur et à mesure que nous lui faisons retrouver ou recouvrir la conscience. Que les souvenirs reviennent, souvent nous lui demandons quel est son état. Est-ce qu'il a encore froid ? Est-ce qu'il est toujours dans le noir? Et très souvent, les esprits commencent à nous dire « Je commence à voir un petit peu plus clair, je commence à voir un peu mieux et à mieux aussi vous entendre. Non, j'ai moins froid. » Ce qui est un signe comme quoi l'esprit prend conscience de son état, qu'émerge en lui cette conscience qui est la sienne. Les souvenirs remontent, donc l'esprit prend possession de ce qu'il est, de son ensemble, de sa globalité, et dans un chemin graduel, il va commencer à se départir de ce froid et de ce noir qui, à un moment donné où l'esprit retrouvera sa pleine conscience, va complètement disparaître. Il va donc falloir aider ensuite cet esprit à passer de l'autre côté. Alors, puisque j'ai pu expliquer et travailler avec ma chérie sur sa clairaudience, à lui faire comprendre et entrevoir comment elle pouvait écouter et entendre les esprits. Je lui ai également fait comprendre comment il était possible, puisqu'il est tout à fait possible, de quitter pour
une personne, pour un médium, de quitter son corps sans avoir à bouger et tout en étant éveillé. C'est tout à fait possible. N'oubliez pas qu'un esprit dans un corps humain, donc un être incarné, a la possibilité de s'extraire de son corps à la moindre occasion que vous lui fournissez pour un relâchement, on va dire, dans la matière. Dès lors que vous expliquez à une personne concrètement, consciemment, comment s'extraire de son corps en étant éveillé, bien évidemment en prenant le temps du recueillement, puisque c'est très important pour pouvoir le faire, mais tout en étant éveillé, il est possible de laisser son esprit sortir de son corps et rejoindre ce fameux esprit souffrant qui souvent se trouve devant ce halo. Je parle de halo. Ce halo de lumière qui est très important, qui est d'une lumière intense, comme souvent on nous le demande, qui est d'un amour diffus. Au travers de cet halo lumineux, souvent, lorsqu'il est temps de présenter le défunt ou l'esprit souffrant, était souffrant, souvent nous avons des guides qui peuvent venir, nous avons des défunts liés à l'entité en question. Et ce sont souvent des parents, des grands-parents, ce peut être des enfants, ça peut être des mariés et femmes ou des amis qui viennent à la rencontre de cet esprit, le chercher pour ensuite l'accompagner, le faire passer de l'autre côté. Lorsque ma chérie rencontre cet esprit en dehors de son corps, en sortie, elle peut le décrire. Elle peut le décrire, elle peut donner des détails, elle peut ressentir des choses, véritablement voir l'esprit comme il se présente, avec des cicatrices ou avec des tatouages ou avec toutes ces choses qui lui appartiennent ou qui du moins lui ont appartenu durant sa dernière vie. C'est ainsi que nous travaillons, c'est ainsi que nous avons réalisé plus d'une cinquantaine de séances d'aide aux esprits souffrants qui a donné lieu à deux ouvrages que j'ai rédigés et que je vous ai déjà présentés, De l'ombre à la lumière, tome 1 et 2, puisque ces deux ouvrages ont été le travail et j'ai concentré 38 de nos séances qui avaient retenu notre attention plus que de raison. Et j'ai désiré, au travers de ces deux ouvrages, vous présenter ces séances comme je viens de vous l'expliquer. Et ce travail, qui est un travail âpre, avec beaucoup de patience et de ténacité, vous permettra, dans cette lecture, de pouvoir nous accompagner au début de la communication avec cet esprit, jusqu'à son terme, de façon à ce que vous puissiez comprendre la chronologie que je viens de vous expliquer, et que vous puissiez saisir l'importance de ce travail auprès de ces esprits. J'entends souvent des personnes qui se disent passeuses d'âme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, passeur d'âme. Moi, je suis médium et je travaille au contact des esprits avec ma chérie en séance d'aide aux esprits souffrants. En général, il faut compter une bonne heure. On compte une bonne heure. Mais bien évidemment, comme vous le savez, lorsqu'on a une communication avec des esprits ou avec des esprits souffrants, on ne compte pas les heures. Alors, bien évidemment, certaines séances sur la soirée ou sur la nuit peuvent durer 3-4 heures lorsque nous avons 2 ou 3 esprits souffrants à faire passer. Ne vous inquiétez pas, nos esprits guides, nos guides prennent soin de nous. Ils nous proposent et nous recommandent des pauses. Et bien évidemment, chacun peut ensuite aller œuvrer et faire, on va dire, le temps de cette pause pour récupérer et se changer les idées. Et ensuite de pouvoir repartir, revigorer, et de pouvoir ensuite redonner du temps et se consacrer de nouveau à un nouvel esprit qui va nous être proposé pour pouvoir l'aider. Je vous dirais que 50 séances avec 50 esprits au moins passés, on va dire, en séance d'aide aux esprits souffrants, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau sur la totalité, bien évidemment, des esprits souffrants qui sont autour de nous, proche de nos vibrations matérielles et qui demandent et qui auraient besoin d'assistance. Malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir en séance
tout le malheur ou tous les esprits errants ou souffrants qui sont proches de nos vibrations. Mais il convient de dire qu'il est important de le faire puisque cela fait partie aussi, on va dire, des personnes, des attributions de personnes qui se disent spirit et médium et qui ont compris le sens de la relation entre les esprits et les hommes et des interactions qu'il y avait et surtout du travail qu'il y avait à réaliser en contact avec nos guides et au contact de ces esprits qui ont besoin d'aide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai expliqué ce qui pour moi était des séances d'aide aux esprits souffrants que nous avons réalisées de nombreuses fois. Et je vous propose dans les commentaires, je vous propose sur le groupe de me solliciter pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes afin que je puisse vous expliquer avec mes connaissances et mon expérience, car comme je le répète pour celles et ceux qui ne le savent pas, cela fait 30 ans que j'étudie la philosophie spirit d'Alan Kardec, de Léon Denis, on peut dire Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Gustave Gelet, Jean Meyer et tous les autres. Voilà, il y a un grand potentiel de lecture, de connaissance, de recul, d'analyse, de compréhension et de conscience avant d'en arriver à une pratique régulière afin de mettre à contribution tout ceci au service des esprits, au service des êtres humains pour le bonheur de tous. Merci.